Et bonsoir à toutes et à tous, 18h tout pile, comme chaque jeudi soir, c'est parti pour 01 Live Hebdo, on va débriefer ensemble l'actu de cette semaine. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir, bienvenue dans votre live hebdo d'une demi-heure pour tout savoir sur l'actu de la semaine, tu l'as dit. Et vous n'allez pas être déçus, encore une fois cette semaine. Cette semaine, on va parler d'Android. Oui, Android Nougat, Jérôme. Android 7, comme ça, oui, voilà. C'est bien, bravo. Tu fais je progrès. Sais compter sur mes doigts. Parfait. Je peux aller jusqu'à Android 10 même. On va parler d'Android Nougat dans un instant. Et puis vous verrez, il y a un petit clin d'œil concernant la ville de Montélimar. Amélie va tout nous raconter. Et on sera aussi avec Raphaël Grabi. Delphine Sabatier, dans un instant, va venir nous rejoindre pour sa chronique Zoom Actu. Et elle nous parlera cette semaine d'une affaire qui est en train de se dérouler. Des comptes de Yahoo par dizaines de milliers qui auraient été piratés. L'affaire est ancienne, mais elle ressurgit. Elle viendra tout nous expliquer. Et puis, dernière partie de ce 01 à la Hebdo, vous allez pouvoir participer puisque on va revenir sur les nouveaux iPhone. Le 7 et le 7 Plus. Ça fait plus d'une semaine maintenant que nous les avons à la rédaction. On commence bien les manipuler, à bien connaître leurs points forts et leurs points faibles. Vous avez des questions concernant ces iPhone, vous hésitez peut-être à vous en offrir un. Eh bien, dès maintenant, vos questions, hashtag 01 live. On vous avait proposé de réagir depuis cet après-midi. On a déjà quelques questions, mais continuez. Hashtag 01 live, spécial libre antenne iPhone 7 à partir de 18h15, 18h20 environ. Voilà. Et bien sûr, comme chaque semaine, vous pouvez interagir sur Twitter. Toutes vos questions, donc, avec le hashtag 01 live, même si c'est pas pour parler de l'iPhone. Et puis également, vous pouvez voter à notre petit sondage de la semaine. Oui, c'est la question 01 net orange. 01 net orange du jour. Cette semaine, Android Nougat vous fait-il saliver? Êtes-vous impatient de l'installer sur vos smartphones? Dites-nous tout, oui ou non. Pour cela, vous allez sur www.01net.com et voilà. Vous votez. On fait le point tout à l'heure. Android Nougat, allez-y, oui, non, sur 01nettv.com. Bienvenue dans ce 01 Live Hebdo. Bon, alors il est là ou il est pas là, ce Nougat? Ben en tout cas, il est là. Si je puis me permettre, il est là. Ah, joli, pas mal. Si vous êtes gentil, à la fin de ce 01 Live Hebdo, si on n'a pas raconté trop de bêtises, je vous offrirai du nougat. Ouais, mais alors c'est pas le genre de truc à manger en faisant une émission de radio ou de télé, ça. Non, ouais, ça c'est clair. Ça va, hein. Ça colle un petit peu. Nous avons avec nous Raphaël Grabi. Salut Raphaël. Ouais, et nous avons également avec nous Amélie Charnay. Bonsoir. Qui tout à l'heure va nous raconter ce qui se passe actuellement à Montélimar, patrie du nougat, où elle était encore aujourd'hui, je crois bien. Non, hier. Hier, bon, c'est pareil. Pas trop mangé de nougat, bon, on va en parler dans un instant. Android Nougat, Raphaël. Ça y est, ça commence à se déployer gentiment. Ouais, doucement, enfin c'est comme d'habitude, il est là mais il n'est pas vraiment là. En fait, Google, ils l'ont sorti officiellement fin août, sauf qu'en fait, ils ont mis en ligne une version qu'on peut télécharger si on a évidemment les smartphones Nexus qui sont les smartphones Google. Oui, ça commence toujours par les Nexus. Voilà, ça commence par les Nexus. Et encore, là, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la mise à jour OTA, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va se télécharger toute seule, etc. Ça, a priori, il faudra peut-être attendre vers le 4 octobre, parce que c'est la date où Google va annoncer ses nouveaux smartphones, qui seront certainement plus les Nexus, mais qui vont sûrement s'appeler Pixel. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'au niveau mondial, ceux qui ont des Nexus et évidemment les Pixel, ils auront directement Android Nougat. Et pour les autres, alors si vous avez les LG, les Samsung, enfin toutes les autres marques, là, il va falloir être assez patient parce que comme tous les ans, en général, on nous l'annonce entre mars et mai, juin. Et en fait, il est vraiment disponible 6, 9 mois plus tard, vraiment pour beaucoup d'utilisateurs qui ont, on va dire, les modèles un peu haut de gamme. D'accord. Ah, c'est rigolo, hein, le monde d'Android. Hein, oui, c'est à son rythme, en fait. Non, mais c'est hyper compartimenté. Eh oui. C'est très, très compartimenté. Donc, voilà, même aujourd'hui, le dernier, Android Marshmallow, je sais pas combien il y a de gens qui l'ont, mais c'est certainement pas la majorité. Il y a encore beaucoup de gens qui ont Android KitKat, donc des Android qui ont 2, 3 ans, etc. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. En plus, il y a les surcouches fabricants, puis il y a les surcouches opérateurs. Ça va être un casse-tête pour Google. Ça va être incroyable. Ouais, en fait, c'est surtout un casse-tête pour les clients et les utilisateurs aussi. Oui. Parce qu'au final, on a un produit qui existe et on peut l'avoir, mais parfois, peut-être 6, 9 mois plus tard. Donc, c'est un rythme qui est un petit peu embêtant. Est-ce qu'il est possible de bidouiller malgré tout et d'installer une version d'Android Nougat sur n'importe quel téléphone? Là, il faut être geekos quand même. Il faut y aller au marteau et autour de Sur n'importe quel téléphone, on va dire que c'est encore compliqué, ça peut se faire de plus en plus, on va dire.
Mais là, il vaut mieux avoir un Nexus. Et encore, même sur le Nexus, il faut aller sur le site de Google, récupérer ce qu'on appelle les fichiers images. Et là, il faut bidouiller un petit peu pour l'installer à la main avec un logiciel, etc. Voilà, on est assez loin de, d'Apple. Il y a eu enfin, voilà, des mises à jour faciles comme ça. Faut pas faire de la pub pour Apple, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un des avantages d'Apple. Et oui, voilà. Mais comme c'est, voilà, c'est... Android a beaucoup d'avantages, mais Apple, on peut pas lui enlever ça. C'est quand il y a un OS qui sort, il est disponible. Ouais, même sur les smartphones qui sont trop, qui sont pas assez costauds pour le faire tourner parfois. Ah, il est un peu trop disponible au contraire. Ouais. Et justement, Android Nougat, bon alors je sais que tu as commencé un peu à la prendre en main. Est-ce que c'est un système qui pourra tourner même sur des vieux téléphones Android? Enfin, il est comment? Il a l'air gourmand en ressources ou pas? Ça va, il est pas tellement plus gourmand. Il est un peu plus gourmand que Marshmallow, mais d'un côté, il optimise aussi mieux les performances comme d'habitude. En fait, à chaque fois, tous les ans, ils nous disent ça va consommer moins, ça optimise mieux. Après, il y a des fonctions en plus. Là, on a eu accès à pas mal de fonctions développeurs surtout, pas mal de versions développeurs surtout. Donc voilà, il faudra attendre un peu pour voir vraiment les performances. Par contre, il y a des nouveautés qui sont quand même très intéressantes. Le mode multi-fenêtre, donc on va pouvoir avoir une vue avec deux fenêtres en même temps. Sur les smartphones, ça peut avoir un intérêt limité parce que l'écran n'est pas énorme. Plutôt pour les tablettes, alors. Plutôt peut-être pour les tablettes, exactement. Et là encore, alors les surcouches fabricants, on pouvait déjà l'avoir en général. Il y a plein de fabricants, sur Samsung par exemple, ça existait déjà. Non, le plus sympa, je pense que c'est les notifications. Donc on peut répondre directement sur les notifs. Donc quand on a le petit bandeau, Messenger, etc., coucou, t'es où, on peut répondre directement sans avoir à ouvrir l'application. À rentrer dans l'appli, à rentrer dans l'application. Ouais. Là encore, il y a certains fabricants qui le faisaient déjà avec leur surcouche. Ça va être là nativement, donc c'est assez sympa. Oui, c'est ça, ce qui est rigolo, c'est quelquefois, ce genre de fonction est d'abord apporté par les surcouches. Oui. Même le multi-fenêtre, alors multi-fenêtre, voilà, Samsung avait introduit le picture-in-picture. Avec le TouchWiz. Exactement, c'est des choses qu'on a déjà souvent ailleurs et que Google implémente ensuite. Après, il y a des petites fonctions sympas, le changement rapide d'application. Donc, on va juste appuyer deux fois rapidement sur le bouton en bas à droite et on va revenir sur l'appli précédente. Voilà. Après, c'est pas non plus une révolution. Hein. Voilà, c'est plus quelques petites fonctionnalités en plus. Il y en a pas mal. Il y a beaucoup de petites fonctionnalités en plus. Mais c'est toujours pareil avec les surcouches fabricants. Est-ce qu'on va vraiment voir la différence au premier coup d'œil? Ça, c'est pas sûr. Voilà. Et c'est pour ça que peut-être que Google va pousser sa nouvelle gamme Pixel qui là sera de l'Android pur, comme on dit, hein, Android stock, voilà, qui est, on va dire, l'état de l'art en matière d'OS, puisque c'est. Ouais, il y a beaucoup de gens qui achètent du Nexus et maintenant du Pixel sûrement pour ça, et on les comprend. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël. Tu restes avec nous parce qu'on va, continuer sur ce sujet, sur Android Nougat, pour aller dans une belle région de France, dans une ville qu'on aime beaucoup, qui est quand même la capitale du Nougat. La capitale française du nougat, parce qu'il y en a d'autres ailleurs en Europe. Non, c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas les vrais. C'est pas les vrais. Il y a du nougat espagnol, il y a du nougat italien. Je suis désolée, ça fait mal à notre cocorico, mais... Donc il n'y a pas que à Montélimar qu'il y a du nougat. Non. D'accord. Mais quand même, Montélimar a le respect du nougat. Oui, depuis 1701, si j'ai bien lu dans la fiche Wikipédia, Montélimar fabrique du nougat. Alors ce qui est amusant, raconte tout ce qui se passe, c'est que... En fait, Montélimar a profité en quelque sorte de cet engouement et de la sortie de Nougat pour faire parler d'elle. Oui. Et alors, je vous ai quand même ramené une petite surprise, mais elle a très mal survécu dans le TGV. Je suis désolée, François. Qu'est-ce que c'était c'est un petit embrouille dans Nougat. Oh, que c'est mignon. Regarde-moi, Jean-David. Un petit androïde en nougat. Un petit androïde en nougat, il est trop mignon. Mais il faut se dépêcher de le manger. Hein. Oui, ouais. Oui, il a un peu morflé là, sur les bords. Ouais, ça, c'est un androïde qui a été piraté, j'ai l'impression. Ça va être dur de résister jusqu'à la fin de l'année. À Montélimar, d'accord. Bon, bah, heureusement. Et donc, alors, raconte-nous l'histoire quand même, parce que le maire de Montélimar s'est dit, bah, on va pas laisser passer ça comme ça. Donc, faut resituer un petit peu dans le contexte. Chaque année, à chaque lancement d'une nouvelle version de l'OS Android, il y a un nom de friandise qui est choisi. Chaque année, donc, c'est par ordre alphabétique. On en est donc à la lettre N cette année. Donc, le 30 juin, on a su que c'était le nougat qui avait été choisi. Et avant, on avait eu KitKat, on avait eu Marshmallow, on avait eu Donut, on avait eu toutes sortes de friandises. Et à chaque fois, il y a une petite cérémonie qui a lieu au siège de Google à Mountain View, et il y a une statue qui est dévoilée avec une petite fête, une petite vidéo, et en fait ça paraît, c'est vrai, peut-être un
peu mineur et anodin, mais c'est devenu un vrai phénomène, un vrai rendez-vous pour les geeks. Et du coup, là, quand ils ont dévoilé le 30 juin dernier, je vais commenter les images parce que vous n'allez pas comprendre. Oui, parce que c'est un peu bizarre. Non, on se dit pourquoi on voit des abeilles. Donc en fait, ça c'était la fête qu'avait organisée la ville de Montélimar hier pour célébrer Android Nougat. Et donc il y avait même les Miss Montélimar et toutes les Miss de la région qui étaient là. Et il y avait des démonstrations de fabrication de nougat. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait énormément de guêpes qui étaient là à cause du miel. Donc, Les guêpes, moi je pensais que c'était une animation, mais non, pas du tout. Non, c'est des guêpes qui sont sur le nougat, là, vous voyez. Ah oui, d'accord. C'est pas fait exprès, elles viennent, ouais. Il paraît que c'est pas dangereux et qu'on peut en manger tranquille. Ouais, j'ai du nougat avec les guêpes dessus qu'elles piquent pas. Mais moi, j'ai pas testé. Mais alors, c'était un peu la fiesta à Montélimar, C'était la grosse fiesta à Montélimar. Donc, en fait, pour reconstituer l'histoire. Donc, le 30 juin, Google dévoile le nom de Android N et on sait que c'est nougat. Le lendemain, la mairie de Montélimar se dit, super. On va contacter Google et on va leur proposer de faire une grosse fête à Montélimar et qui nous envoie une statue spécialement créée pour l'occasion. Et ben Google a dit banco. C'est génial ça. Voilà. Cool. Il y a eu un mois de tractation en fait, parce qu'à un moment donné Google s'est dit, et si on choisissait trois capitales européennes du nougat, c'est-à-dire une en Italie, une en Espagne, une en France, et qu'on faisait une fête simultanée. Puis finalement ça paraissait trop compliqué et c'est Ils la France qui a gagné. Montélimar. Mais oui. C'est bien. Bravo. Voilà, donc c'est une initiative de la mairie de Montélimar. Ils ont envoyé, les Américains ont demandé au sculpteur officiel des statues Android. Donc, Mais bien sûr, c'est un vrai business, hein. Ah ouais. Ça reste du plastique, hein, mais. Ça commence à vieillir. Oui, c'est vrai. À mon avis, dans 10 ans. Donc, elle fait quand même 110 kilos et 1,90 m, hein, cette statue. Elle a été envoyée par bateau. Ah oui. Donc, elle a traversé l'Atlantique. Elle a failli ne pas arriver à temps. Elle est dans un endroit un peu, on va dire, stratégique à Montélimar. Alors, là, c'est la place de la mairie, mais il y a eu un sondage dans toute la presse locale pour savoir où ils allaient la mettre ensuite, parce que c'est pas sa place définitive. Et il y a quand même des gens qui ont voté pour qu'elle soit entreposée sur le parking du Carrefour. Et là, je pense. Du Carrefour, le hypermarché ? Ah non, oui. Non, c'est pas vrai. Ah non, mais tout de suite. Je pense que ça va pas passer non, et que non, si Google US savait ça. Tout ça parce que Carrefour achète des mots-clés sur Google, ça c'est dégueu quand même. Hein. Je vais pas dire, mais c'est un peu bizarre. Hein. Donc, mais ce qui est sympa, c'est que. Ça n'est pas, c'est la première fois que Google envoie une statue hors de Mountain View. C'est la première statue Android hors de Californie et elle est à Montélimar. Et en plus, elle n'est pas identique à la première statue Android Nougat qui a été dévoilée. Elle est légèrement différente. D'accord. Alors, les puristes remarqueront que... Ah oui, parce qu'il y a des puristes. Oula, mais oui. C'est notamment Jean-Sébastien qui m'a fait remarquer ça. En fait, il n'y a pas d'amende. J'adore les statues, hein, je tiens quand même à préciser. Il est fan de statues, mais toutes sortes non, de statues. Non, il est fan de nougat. Ah, pardon. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette statue ? Il n'y a que des pistaches dedans. Alors qu'en fait, la recette traditionnelle, il y a des amandes et très peu de pistaches. Donc, bon, là, on rentre dans un débat gastronomique de la part des Américains. Voilà. Non, mais c'est vrai que là, nous avons du nougat de Montélimar. On voit bien sur les images qu'il n'y a que des pistaches dans la statue. Oui, mais alors, ils ont... c'est pas possible, ça. Il faut qu'il la renvoie, qu'il la refasse. Le sculpteur de statue, là, il s'est un peu trompé quand même. Hein. Et donc, ces statues, c'est devenu tout un mythe aux États-Unis. Les touristes font le détour quand même à Mountain View pour aller les voir et poser avec. Oui, mais. Ouais, et il y en a même qui ont été volés quand même. Il faut avoir que ça à faire quand même. Non, mais c'est sympa de se balader. Tu n'es jamais allé devant le siège de Google à Mountain View. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, il y a les statues. Donc aujourd'hui, on compte 14 statues à Mountain View et une à Montélimar. Donc franchement, bravo la France. Ah ouais, cool. C'est vrai. Moi, ça me donne envie de goûter le nougat. Il manque juste à sortir le Android nougat. Voilà, accessoirement. Voilà, c'est ça, accessoirement. Je pose une question étonnée que maintenant, on va dire que Google a véritablement une présence en France avec une statue. Est-ce qu'ils vont enfin daigner payer leurs impôts c'est ce ici chez nous dire. Alors, j'ai pas posé la question. Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire parce un truc. Parce que ce serait quand même une bonne nouvelle aussi. C'est pas eux qui ont payé la petite fête d'ailleurs. Je sais pas si c'est Google qui a payé la petite fête. Non, non, ils ont amené tous les goodies, mais c'est la mairie de Montélimar qui a organisé la fête. Ah bon, d'accord. Ouais, ouais. Ah ouais. Et j'ai oublié de vous dire quand même qu'il y a eu une intronisation de la responsable des politiques publiques de Google. Google France, bon. Membre de la confrérie du nougat, oui. Qui était extrêmement solennelle, avec tout le monde habillé en toge et la confrérie du nougat qui a débarqué. D'accord. Et ont dû rester pantois devant cette cérémonie. Ah, je pense, oui, oui. Ah oui. Je pense qu'ils se donnaient des coups de coude. Quand est-ce qu'on repart ? Quand est-ce qu'on repart ? Comme ça. Merci beaucoup, Amélie. C'était très sympa, en tout cas. Hein petit C'est bon, en fait.
Il est très bon. Parce que Jérôme a déjà attaqué le bras. Il manque un bras maintenant à l'Android. Et bien voilà, c'est beau, tiens. Merci beaucoup Amélie, merci à Raphaël. Merci. Et on revient dans un instant pour la suite de ce Zéro en live hebdo avec Delphine Sabatier. Mais avant de retrouver Delphine, le point sur notre question 01net orange du jour. Android Nougat, le fameux Nougat, vous fait-il saliver? Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Eh bien, pour l'instant, pas vraiment. Hein. Non à 76% contre 24% seulement de oui. Bon. En fait, je pense que ce sont les habitants de Montélimar qui ont voté oui, visiblement. Possible. Continuez à voter. Hein. 01net.com ou 01nettv.com. Delphine Sabatier, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jérôme, François. Bonsoir Delphine. Directrice des rédactions de 01net. On va parler maintenant de cette histoire incroyable de Yahoo, Jérôme. Alors effectivement, des centaines de milliers de comptes Yahoo qui auraient été dérobés par des pirates. En plus, l'affaire ne date pas d'hier. Vous allez nous expliquer. Qu'est-ce qu'on sait exactement à l'heure qu'il est de cette affaire? On parle vraiment de 200 millions de comptes Yahoo qui se seraient fait siphonner. Donc c'est un trésor de guerre avec des tas d'adresses mail, des mots de passe qui sont facilement déchiffrables et des dates de naissance. Alors le pire dans cette histoire peut-être, c'est que ce listing de données a été revendu en ligne par un pirate qui se fait appeler Peace. Et il s'est lui-même vanté d'en avoir tiré 1 800 $ sur le dark web. Alors c'est vrai que l'info, on la découvre pas totalement aujourd'hui, puisqu'elle est sortie une première fois cet été. C'est le site américain Motherboard qui a recueilli les confidences du pirate Peace et qui a révélé l'affaire. Mmh. À l'époque, Yahoo avait juste pris bonne note et décidé d'ouvrir une enquête. Hein. Il n'avait pas fait plus que ça. Là, c'est le site Recode à son tour, oui, qui relance le sujet aujourd'hui et qui indique même que Yahoo serait maintenant obligé de communiquer officiellement sur cette affaire et demander à ses utilisateurs de changer le mot de passe. Bon, alors Delphine, ce qu'il y a de dingue dans cette histoire, c'est que ça ne date pas d'hier. En fait, ces comptes ont été piratés en 2012. Ouais, 2012, c'est vraiment une sale année. Hein. 2012 ? Non mais vous rendez compte, ça fait 4 ans. En tout cas pour les données privées. Ouais. Oui, ça fait 4 ans. Alors déjà, ça veut dire que même si aujourd'hui vous dites « moi je m'en fous, ça fait longtemps que j'ai abandonné Yahoo », peut-être qu'en 2012, vous aviez un compte et que vous utilisiez un mot de passe qui court encore sur d'autres services. Donc voilà, je vous dis attention, tout ça c'est grillé. 2012, on dit c'est une sale année vraiment pour les données privées parce qu'on rappelle qu'on a eu Dropbox. Dropbox, c'est 68 millions de mots de passe qui ont été siphonnés. LinkedIn, 117 millions de comptes piratés. Et puis là, on a découvert aussi il n'y a pas longtemps Last.fm. On parle de 43 millions d'identifiants. Il y a aussi eu un forum d'un site porno américain avec 790 000 personnes qui ont vu tous leurs messages comme ça jetés dans la nature. Dans cette liste noire de 2012, on trouve même le piratage de l'Elysée. Et on a appris récemment que c'était bien l'œuvre de la NSA. Enfin bref. Ouais, 2012, c'était pas terrible. Je crois que c'était l'année aussi du piratage de la PlayStation, non ? La PlayStation 4 avec tous ses comptes, je crois bien. Écoute, 2012, je suis pas sûre. Non, c'était 2011, c'était l'année précédente. Ouais. Et il y a eu MySpace en 2013. Mais vraiment, 2012, ça a été une grande concentration. Et le pire, c'est pas seulement le nombre de sites qui a été piraté. Le pire, c'est qu'à chaque fois, on s'est rendu compte qu'à l'époque, ils ne sécurisaient pas suffisamment nos mots de passe. C'est incroyable. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que 4 ans après, on se demande encore s'il y a des risques finalement. Eh oui. Hein ? Je l'ai bien amené celle-là. Hein. Elle est superbe, Jérôme. C'est Delphine. Oui, franchement. Absolument. Eh bien oui, il y a des risques, évidemment qu'il y a des risques. Bon, d'abord, je le disais, si vous avez gardé le même type de mot de passe, ou même attention, parce que ça peut être aussi le mot de passe de récupération, parce que les pirates dans les comptes mail Yahoo ont aussi récupéré ce deuxième compte qu'on laisse à disposition en cas de perte du premier. Donc vraiment, checker vos Facebook, vos Gmail, il faut modifier tout ça. Vous risquez aussi de vous mettre à dos pas mal de vos contacts, hein, parce que toujours dans ces affaires, quand on est piraté, c'est l'ensemble de notre carnet d'adresses qui se retrouve contaminé. Et puis l'autre conséquence, c'est que les pirates pourraient nous voler notre carte bancaire. Parce que à quoi servent ces listings finalement? Pourquoi ils sont vendus comme ça sur le dark web? En général, c'est pour des campagnes de phishing. C'est-à-dire qu'on reçoit un mail qui nous indique qu'il faut se connecter avec nos identifiants, autoriser l'inscription de la carte bancaire, donner son mot de passe et tout ça pour faire des vérifications. Et évidemment, tout ça est tellement bien fait qu'on ne se rend pas compte qu'on est sur un faux site piégé.
Donc, toujours, on rappelle ça, mais plus on a de mails qui circulent dans la nature, plus il y a d'arnaques, plus il y a de victimes. Et puis, la plus grosse conséquence, puisqu'on parle des risques, c'est quand même pour Yahoo. Parce que pour Yahoo, ça tombe très mal. Il est en train d'essayer de se revendre à un opérateur de télécom américain ultra puissant qui s'appelle Verizon. Donc, ça fait désordre dans ses négociations. Il n'est pas forcément en position de force. Et puis, je pense qu'on peut lui reprocher non seulement la faille informatique, la faille de sécurité, mais aussi le fait qu'il est tant tardé à prévenir les utilisateurs. C'est peut-être ce qu'il y a de pire, parce que finalement, on se rend compte que tous ces sites sont plus ou moins fragiles hein, par rapport aux attaques pirates. Mais là, attendre 4 ans, c'est quand même incroyable. 4 ans, et puis même depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, où on le sait de manière officielle. Tout a été communiqué par les sites américains. Yahoo n'a pas réagi. Ouais, ça prouve en tout cas que Yahoo, là, est un peu un bateau ivre, hein, on a l'impression. Hein. Oui, c'est vrai que les flottements de ces dernières années n'ont pas dû arranger les choses. Hein. Merci Delphine. Delphine Sabatier de la rédaction de Zéronet, directrice de la rédaction de Zéronet.com. Tiens, Jérôme, qu'est-ce que c'est que cette photo qu'on vient de recevoir sur le Twitter avec le hashtag 01Live? C'est Nico qui vient de nous envoyer ça. Oh là, regardez le mélange de Jérôme Colombin et de François Sorel. C'est notre, si on a un fils à deux, il ressemblera peut-être à ça. Tu crois? Ouais. Je sais c'est pas, ce que pas ça joli, joli. Donner. Enfin, bon, bref. Faut le voir animé, quoi. Ouais. Oui. Ça pourrait être rigolo. Voilà. Exactement. Ouais. Quand on voit que vous vous éclatez sur le hashtag Zéro Live, continuez. Vous pouvez nous laisser vos petits messages. Je remercie Nico pour cette petite photo très sympa. Nico qui nous a dit tout à l'heure que c'était la première fois qu'il nous regardait en live. Bon courage à lui. Alors, il est 18h22. On enchaîne tout de suite. On va parler maintenant d'iPhone. Et pour parler d'iPhone, les spécialistes de la question nous ont rejoints. Bonsoir Pierre Fontaine. Bonsoir. Et bonsoir Adrien Branco. Bonsoir. Bonsoir. Oh, monsieur. Quelle belle voix. Ah oui, c'est la voix. C'est un petit peu la voix du jet lagué, ça, non? Oui, c'est la voix du jet lagué. Adrien, oula, c'est vrai. Sors de l'avion, d'où viens-tu? Je reviens de Californie, je reviens de Olympic Valley, entre le Nevada et la Californie, où je suis allé voir le nouveau drone de GoPro. Ah, voilà, ouais. Dont alors on va parler demain, dans De quoi je me mêle avec Adrien. Ah, bah, génial. Voilà. Et on pourra le voir. Oui, si ce sera reposé, il aura. Oui, il aura un peu plus clair, j'en suis persuadé. Bon, les amis. Pierre, évidemment, a pu manipuler ses iPhones depuis pas mal de jours. Adrien, notre spécialiste photo, s'est penché sur les qualités photo de l'appareil photo. Il y a eu pas mal de surprises. Donc, n'hésitez pas, dès maintenant, à nous poser toutes vos questions avec le hashtag 01Live. Jérôme, en plus, on en avait déjà sélectionné quelques-unes. Donc, allez-y. Oui. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions sur la photo, hein. Oui. Sûr, parce que ça a été quand même pas mal mis en avant par Apple au moment de la keynote. On sait que c'est pas la même chose au niveau photo entre l'iPhone 7 et puis l'iPhone 7 Plus. Et Adrien, la question qui est revenue plusieurs fois. Alors, cet appareil photo, principalement l'iPhone 7 Plus avec son double capteur, qu'est-ce qu'il vaut au final? Alors, je vais pas me prononcer de manière définitive. Je vais d'abord prendre des pincettes. Moi, l'iPhone, je l'ai eu une demi-journée, un peu plus. Ensuite, il est reparti en test. Ce que je peux juste vous dire, c'est quelle est mon impression par rapport aux images de test que j'ai faites. Et il y a des images de test que j'étais obligé de refaire deux fois parce que j'ai eu un doute. Eh bien, il n'y a pas de doute. Apple a fait une belle connerie sur les couleurs. Voilà. Aïe. Oui, parce qu'il faut savoir que si vous lisez 01Net, vous verrez qu'on a très souvent un comparatif permanent des smartphones en photo, qu'on remet à jour fréquemment. Mm-hmm. L'iPhone n'est plus le meilleur photophone depuis très longtemps en qualité d'image pure, mais ça reste quand même le maître étalon parce que c'est le plus homogène. Et parmi une des forces qui restait, c'était pas le piqué d'image, Samsung est passé devant, c'était pas la vitesse d'autofocus, d'autres sont passés devant, mais ce qui dominait, c'était quand même les couleurs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une marque occidentale? C'est-à-dire la fidélité des couleurs Il y a à la fois, alors ça, il y a des choses qui restent assez subjectives, bien sûr, mais c'était le côté rendu chaud, une espèce de signature, une espèce de constance sous les éclairages différents. Apple, comme Nokia, d'où peut-être une veine ou une interprétation occidentale, on pourrait en faire ce qu'on veut, mais Nokia et Apple avaient vraiment une bonne interprétation des couleurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de couleurs criardes, on restait toujours dans des tons agréables. Jusqu'à l'iPhone 6S. Alors jusqu'à l'iPhone 6S, bien sûr, jusqu'à maintenant l'iPhone 6S qui était dominé sur beaucoup de segments, arrivait quand même à avoir un sacré avantage sur les couleurs ne vont pas vous décevoir. Et là, bim,
Et la bim, qu'est-ce qui se passe? L'iPhone 7 arrive. Mais je sais pas. Et alors là, au début, il y a Lionel, patatras. Qui a notre responsable technique du labo, oui. qui fait quelques photos parce qu'on ne sait pas si je vais pouvoir la voir. Je regarde les photos, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Tu as mis ton doigt sur l'objectif ou quoi? Là, Adrien très énervé. Non, pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est photographe aussi, donc je me dis il y a quelque chose qui voilà. Je refais les photos, j'obtiens le même résultat. Je me dis il y a des filtres sur l'iPhone. Bon, il y a des filtres sélectionnables. Si ça se trouve, on a laissé un filtre. J'y retourne sur la mire après avoir fait des shoots extérieurs. Je remets bien en mode normal. Et là, non. Les couleurs sont devenues, je ne sais pas, elles ont été désaturées. Il y a moins d'informations dans les zones sombres. C'est plus fade pour garder un mot de vocabulaire. C'est fadasse, c'est un peu trop sombre, un peu sous-exposé. Le traitement numérique de l'image est un peu plus agressif. Les aplats, au lieu d'apparaître bien plats, on voit une espèce de bruit qui surgit. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, il y a un côté trop punchy dans les détails. Alors, Adrien, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a une histoire de mise à jour qui devrait arriver? Absolument, c'est que du logiciel. Alors, on s'est bien pris la tête. J'ai réussi à extraire le fichier RAW, parce que vous le savez peut-être, désormais, Apple autorise les développeurs d'applications à récupérer le fichier RAW. C'est-à-dire sans compression. Ça veut dire, non, RAW, c'est vraiment le négatif numérique. C'est-à-dire, avant, quand on shootait, on avait un négatif et... Il y avait tous les grands photographes avaient un grand tireur qui interprétait leurs images. Vous, quand vous faites des photos, elles sont déjà interprétées par l'appareil. Là, non. Là, c'est vraiment le fichier à interpréter soi-même. Ça a été un peu une galère. J'ai réussi à sortir le fichier. Et là, les couleurs sont très bien, de base. Les couleurs aussi, elles étaient très belles. Donc, c'est quoi? C'est l'algorithme qui transforme la photo en JPEG qui fout la pagaille, en fait. Oui, pour moi, ça fout vraiment la pagaille. Mais est-ce qu'à ton avis, parce que c'est intéressant, est-ce que c'est une vraie volonté de la part d'Apple de changer un petit peu Vous croyez vraiment qu'Apple laisse des choses au hasard? Non, mais c'est quand même étonnant, parce que au-delà de ton interprétation, c'est moins bon. Visiblement. Alors deux choses, nous on l'a vraiment eu en sortie de boîte arrivant de Californie, on n'est pas à l'abri d'une mise à jour juste pour les couleurs, on n'est pas à l'abri d'un modèle défectueux, mais j'en ai jamais eu en main des modèles d'iPhone défectueux, c'est le problème. En fait, ouais, juste pour intervenir très brièvement, parce que c'est pas moi l'expert photo, mais effectivement il y aura a priori une mise à jour 6.1 qui devrait déjà intégrer toute une partie qui manque au 7 Plus. Oui, l'effet bokeh. Ouais. Et il est possible... Ah oui, parce que moi je l'ai cherché aussi, j'étais complètement désemparé. Pour l'instant elle n'est pas disponible, donc on peut chercher un moment. En fait, elle sera poussée avec une mise à jour, sur le 7 Plus évidemment, parce que sur le 7, il n'y aura pas le fait bokeh, vu qu'il n'y a toujours qu'un seul objectif. Mais peut-être qu'ils vont corriger ça à ce moment-là, ou alors ils estiment effectivement que leur balance maintenant, leur rééquilibrage des couleurs, des détails, etc., c'est ce qu'ils voulaient faire. Et on va être déçus, ça fait des photos acceptables, mais effectivement, on est un peu déçus par rapport à ce qui se faisait avant. Surtout qu'ils ont fait deux traitements qui m'ont paru... Il y en a un qui était salvateur, c'est le traitement numérique de l'image. C'est-à-dire qu'il y a des renforcements qui viennent pallier un peu l'un des défauts qu'a l'iPhone. Oui. L'iPhone fait des photos molles. Voilà, 6 et 6S sont des capteurs qui font des photos molles. En photographie, une photo molle, c'est une photo qui paraît magnifique, c'est du Dali. Fadasse. Oui, mais c'est fadasse. C'est fadasse, c'est-à-dire qu'on n'a pas un détail, on n'a pas une impression de tridimensionnalité. Ça existe vraiment en photo. J'ai des appareils où ça ressort vraiment. Et si vous regardez le Galaxy S7, peut-être une définition un peu plus faible, mais on a vraiment l'impression que les yeux ressortent. Ce n'est pas du tout le cas avec les iPhones. Apple a bien fait de renforcer les détails, mais pour les couleurs, pas grand-chose à dire. Alors, on pourrait quand même parler du positif. Il y a un gros positif, notamment pour les photojournalistes, une caste à laquelle j'appartiens un petit peu, c'est le deuxième capteur qui est équivalent à 56 mm. Voilà. C'est un vrai plus, parce que ça permet de faire de très... Donc plus large. Même sans le bokeh, non, plus resserré. Ah, plus resserré. Donc l'iPhone a eu depuis tout le temps une optique grand angle de 28-29 mm. Oui, mais là, il est plus large quand même. Non, il est plus resserré. Non, mais il parle du capteur du grand angle. Le capteur il est plus large que celui qu'il y avait dans le précédent, je pense. Absolument pas, non. Non, non, c'est un 28 mm. Adrien, il faut qu'on discute de ça en tête à tête. C'est pas grave. C'est pas ce que j'ai vu, moi. Et un 56 mm f2.8 avec un capteur plus petit. Donc la sensibilité du deuxième capteur sera un peu moins bonne. La luminosité est un peu inférieure. Mais par contre, le fait d'avoir une image, d'abord, on se rapproche du 50 mm de Cartier-Bresson pour les puristes. Mais surtout, on va éviter de déformer les visages quand on va shooter des portraits de ses enfants. Et mine de rien, avoir un peu plus de naturel dans les visages, c'est quand même un argument massu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire enfin de beaux portraits. Et puis arrive, bien sûr, avec la prochaine mise à jour, mon fils, je le reconnais enfin sur la photo. Mais surtout que si vous regardez les bords des images capturées dans les iPhones, souvent les visages sont assez déformés et ne sont pas très fidèles. Très bien. Merci pour ce point sur la photo, on y reviendra et évidemment Adrien fera des tests plus poussés de l'iPhone 7. C'était une prise en main, c'est pas un test, on est d'accord. Dès que tout ça sera prêt,
on le retrouvera sur 01net.com. Place alors maintenant aux questions. Oui. Avec le hashtag 01live. Parce que vous on savez, si vous avez des interrogations par rapport à l'iPhone 7 ou le 7 Plus, c'est maintenant qu'il faut les poser. Là, allez-y. Maintenant, 18h30, hashtag 01live sur Twitter. Alors, on a parlé de la photo. Parlons un peu de l'écran. Est-ce que la qualité d'écran est véritablement meilleure par rapport à la dernière génération? Question de Sam Choc. La réponse à l'œil nu, oui. Et aux mesures, oui. Alors déjà, il est beaucoup plus lumineux. Oui. Hein, enfin, les mesures sont autour de 600 candélas par mètre carré, donc c'est pas mal, même 620, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Il y a un super beau taux de contraste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, enfin ça fait deux années qu'on disait, il faudrait penser au regard de ce que propose la concurrence de l'OLED, il faudrait penser à changer vos dalles parce que là, ça commence vraiment à piquer un peu les yeux. Et en fait, on reste avec du LCD parce que bah, pour l'instant, Apple n'a pas accès aux chaînes qui permettent de fournir des dalles OLED. Et avec une définition qui est inférieure à la concurrence. Voilà, avec, enfin, des définitions et résolutions inférieures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en fait allés chercher des techniques qu'ils ont développées dans un premier temps pour l'iMac 5K. Donc ces technos abrégés P3, en fait, c'est des technos de traitement de la couleur, fidélité cinéma, entre guillemets, donc, qui ont été établis par des professionnels du cinéma pour rendre des couleurs, on va dire, de manière la plus réaliste possible. Quoi. Donc, en fait, ils avaient intégré cette technologie dans l'iMac 5K. Ensuite, ils l'ont fait glisser dans les iPad Pro. Et puis là, hop, ils arrivent dans les iPhone 7 et 7 Plus. Ce qui fait qu'effectivement, on a toujours une dalle LCD. Alors, effectivement, bon, bah, c'est pas l'OLED, ça explose pas les yeux, c'est pas un truc absolument incroyable. Mais néanmoins, la dalle est vraiment meilleure et ça se voit, mais à l'œil nu, on les met côte à côte et ça se voit. On voit une question de luminosité. On n'a pas quand même ce côté flashy de l'OLED qu'on voit tout de suite. Non. Non, ça, c'est, il faut, ça, il faut, ça, pour ça reste, vraiment ça, avoir la différence, il faut avoir un iPhone 6S à côté voilà. Et puis un 7. Voilà. Voilà. Là, on se rend compte de la différence. Oui. C'est vrai que la AMOLED apporte quand même un... Voilà, alors, pour les photographes, pas du tout. Moi, j'ai eu en main, je l'ai senti direct. C'est vrai ? Plein jour, j'ai fait, il y a quelque chose qui... Tiens, Pierre, parce que c'est Pierre qui l'avait, il a réglé la luminosité au maximum, même pas. Et pour faire des photos, alors là, pour le coup, c'était beaucoup plus confortable, sachant que Apple m'a laissé un 6S. Et je shoote et l'appareil de référence au labo, ça se voit directement. Et j'avais même pas qu'ils avaient changé. Mais justement, justement, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, on avait fait, enfin, Adrien avait fait un test comparatif, ce qu'il va refaire, avec, c'était le S6, il y avait le OnePlus 2, je crois. Mm-hmm. Et au niveau des écrans, c'était presque pénible de faire des photos avec le 6S, le 6S Plus, parce qu'effectivement, la dalle accusait son âge. Et là, je trouve, alors effectivement, une fois encore, la LED, c'est une étape plus loin, mais il y a plus cette espèce de côté, c'est vieux. Quoi. Mmh. C'est passé, on a un écran qui est tout à fait acceptable et plutôt très confortable avec des belles couleurs contrastées et bien rendues. Question de Lustol qui nous dit que valent ces iPhones au niveau autonomie? C'est vrai que ce n'était pas vraiment la joie sur les modèles précédents. Est-ce que ça s'arrange? Ça s'arrange clairement. Alors, si on prend en référence les gros pontes d'Android, on est clairement encore à la ramasse, tout simplement parce qu'on a des batteries qui sont beaucoup moins grosses. Hein. C'est Apple travaille sur l'optimisation matérielle logicielle. Et comme il n'y a pas de compromis sur la finesse du téléphone, voilà, la batterie et vu peut que pas le, faire, vu que le design est toujours, c'est tout ce qui, j'allais dire drive, c'est toujours ce qui conduit la création du produit, on va dire. On a des batteries qui ont grossi. Parce qu'on est à 1900, à peu près 1950, je crois, et 2900 sur le 7 Plus. Donc des batteries plus grosses. Et donc des autonomies qui grossissent. Mais c'est pas encore complètement fou. On va dire que pour un usage normal, on va tenir une journée sans problème maintenant. Mais voilà, pour donner des chiffres, on a fait nos tests d'autonomie. Alors on a un test d'autonomie qui est assez exigeant, qu'on appelle polyvalente, qui, on va dire, simule un usage quotidien. Multiple mais très intensif. Oui, qui ressemble à un vrai usage. Ressemble à un vrai usage, sauf que ça serait quelqu'un qui ne s'arrête pas en permanence de surfer, d'envoyer des trucs, qui l'éteint jamais et qui ne se pose jamais. Oui, c'est un usage intensif. Voilà, très très intensif. C'est un peu nous, quoi. Et donc, on est arrivé sur le 7 à avoir une autonomie de 7h48. Donc, sur le 7, en fait, on obtient l'autonomie qu'on obtenait avec le 6S Plus l'année dernière. Donc, grosso modo, avec une batterie plus petite, on obtient ce qu'on obtenait avant. Et avec le 7 Plus, on obtient 8h09, donc
une progression. Et voilà, alors, pour les deux modèles, ça, voilà, c'est quand même meilleur. Une progression dans les deux cas, et on se dit 8h09, mine de rien, en usage très très intensif, qu'est-ce que ça donne quand on a un usage normal de son téléphone? Ben, on tient bien sa journée normale. On tient une bonne journée. Voilà. On a une petite question, alors, je ne sais pas si on pourra répondre, parce qu'elle est assez pointue. C'est Ali Pro qui nous dit, est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de prise casque, donc on écoute via le port Lightning, ça c'est ce qu'il dit, moi j'ajouterais même par Bluetooth, est-ce que ça aussi, ça joue de manière significative sur la consommation de la batterie? Ben, ça va jouer si on passe, enfin si écouter de la, on écoute beaucoup beaucoup de musique très très longtemps, parce que après c'est pas quand même, non, ça va pas vider la batterie, voilà, ça vide pas la batterie de manière exagérée. C'est des, alors déjà d'une part il y a des l'optimisation logicielle pour tout ce qui est lecture du son, et puis ensuite au niveau des puces il y a aussi un travail qui a été fait ensuite. Alors, pour être tout à fait franc, on ne s'est pas amusé à faire un test. J'écoute avec. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner de chiffres. Très, très pointu, si, ça, mais... si ça chutait de 45 minutes ou de 3 secondes, je ne peux pas dire ça. Mais a priori, la baisse, si baisse il y a, n'est pas du tout colossale. D'accord. Et notable. Une question qui est revenue, qui revient à plusieurs reprises, notamment Jérémy qui nous demande. Alors voilà, on commence à constater les premiers bugs sur l'iPhone 7 et on parle notamment d'un sifflement à l'arrière du téléphone, à certains moments. Au chargement, a priori. Au chargement. Ouais. Alors nous, sur les modèles qu'on a eu, on a pas eu ce problème. Effectivement, c'est un problème que Apple a reconnu. Il a dit que c'était pas grave. Alors je pense qu'ils ont fait une gestion de crise en disant ce n'est pas un autre 7, ne vous inquiétez pas, ça va pas vous péter à la gueule. Je pense que c'est ça le premier message qu'il faut entendre. Ensuite, ils ont ouvert une enquête et ils étudient ça. Alors, pour l'instant, c'est difficile de dire ce que ça peut être. Je n'ai aucune idée. Mais effectivement, Apple est en train de mener une enquête là-dessus. Et si c'est vrai vraiment que nous, on ne l'a pas constaté, autour de nous. Non. J'ai d'autres choses qui sifflent chez moi, mais pas l'iPhone en tout cas. Les oreilles, si parfois, je peux vous le dire. Les oreilles qui sifflent. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la cocotte minute quand tu fais la cuisine. Hein, non, n'arrive pas très souvent, je crois. Parfois, la bouilloire siffle, mais c'est tout. Oui, voilà. Continuez hashtag 01 live. Tout à l'heure, alors je ne le retrouve pas véritablement, mais on avait un tweet d'un auditeur qui nous demandait s'il y avait une grosse différence en termes de qualité photo entre le Galaxy S6 et l'iPhone 7. Ouf, Adrien. Oui, une grosse différence, il y en a une, oui, bien sûr. Il y a déjà le S6, il a un très bon capteur, 16 mégapixels. Et l'adéquation entre le traitement d'image et le capteur fait par Samsung fait que les clichés sont un peu plus punchy. Samsung a aussi glissé. Avec le Galaxy S7, il y a de la perte. Il y a de la perte de définition. Oui, parce qu'on passe de 16 à 12 mégapixels. Ouais, et puis en plus, c'est un capteur un peu hybride. Je ne vais pas vous faire le détail. On perdait, je trouvais, un petit peu en basse lumière, alors qu'ils avaient annoncé l'inverse. Bah, pas du tout. Moi, je trouvais qu'ils perdaient. Et le Galaxy S6 reste, pour moi, l'un des meilleurs photophones, dès lors qu'on apprécie le capteur en 16/9, parce que c'est un des changements aussi. Samsung revient au capteur 4 tiers sur le Galaxy S7. Je préférais voir un capteur 3,5 pour les puristes. Mais oui, le Galaxy S6 reste dans la course. Très bon appareil, j'aime beaucoup, à part qu'il rogne un peu en haut et en bas. Et au niveau interprétation des couleurs, même s'il y a ce côté un peu flashy asiatique, ils ont tendance à saturer un peu les couleurs, ça n'a rien à voir avec l'espèce de pseudo-désastre d'Apple. Là. Et en basse luminosité, cet iPhone 7, on n'en a pas parlé. Il se défend bien ? Oui, il est, c'est plutôt pas mal. J'ai pas constaté. C'est vraiment mieux que le 6 Plus ou que, non, le 6S ? Non, parce que moi, je vous dis... Après, il y a aussi une part de subjectivité en photo. J'ai regardé le rendu qu'il y avait. C'est à peu près la même chose. Il y a des interprétations un peu différentes dans les sombres. Donc, ça reste bien. C'est bon. C'est pas un mauvais téléphone en photo. Attention. Mais c'est juste que Apple nous avait habitués à avoir les meilleures couleurs du marché. Et depuis longtemps, eh bien, ce n'est plus le cas. C'est tout. La disponibilité de l'iPhone 7. Oui. Question de Christian, de Dionysos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le premier jour du lancement, il n'y en avait pas assez dans les magasins. On n'arrive même pas à trouver le modèle haut de gamme, le noir de jet. Novembre, non. Est-ce de la pénurie organisée? Alors, que ce soit le cas ou pas, quand est-ce qu'ils arrivent? Ça, pour le coup, c'est super difficile à dire si c'est la pénurie question organisée. C'est la question piège. Il y a une chose qui est certaine, c'est que quelques semaines avant le lancement, c'était... Fin août, les chaînes de production asiatiques ont reçu un surcroît de commandes. En fait, Apple a dit, en fait, je vais vous en reprendre un peu plus. D'accord. Donc, vous pouvez m'en rajouter. Donc, il est possible. Quelques millions. Voilà, c'est ça. Il est possible que Apple ait été super prudent en commandant ces, parce que effectivement, on sait bien que
Tim Cook, qui était monsieur chaîne de production. Ouais. C'est lui qui a revu complètement là, les chaînes de production d'Apple. C'est pas quelqu'un qui va dire oh, allez, vous en mettrez 5 milliards, ça va bien s'écouler. Non, il gère ça de main de maître. Il a des petits tableaux Excel, enfin pas Excel, pardon, comment ça s'appelle Sheets, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, sure. Bref, il a des petits tableaux. Peut-être qu'il le fait sur Excel en cachette. Qui clignote dans tous les sens, il adore ça. Et donc effectivement, il est possible qu'ils se sont dit bon, on va augmenter ça. Pénurie organisée, Est-ce que c'est pertinent? Je sais pas si c'est pertinent parce que ça crée le but, mais ça crée aussi la frustration. Enfin, depuis qu'on connaît Apple et depuis qu'ils sortent des produits, il y a toujours cette pénurie organisée. Mais finalement, quand on réfléchit, c'est pas une bonne affaire. Mais non, c'est trop risqué. Il y a aussi une réalité, c'est que le fait que les deux téléphones soient IP67 maintenant, c'est-à-dire qu'ils résistent à l'eau et ils résistent super bien à tout ce qui est solide poussière, a compliqué le processus de fabrication. Donc, ce qui veut dire que il y a un taux de raté à la production qui pour un moment avant Il les fabrique sous l'eau, c'est ça. Avec des bonbons. C'est des dauphins. C'est flipper. Donc grosso modo, ça complique un peu la tâche. Donc peut-être, enfin, on sait que pendant les phases de pré-production, mais qui étaient plutôt en tout début d'été, il y avait un taux de raté assez élevé qui a dû normalement être corrigé avant la production de masse, mais peut-être que ça pose aussi encore problème. Mais après, c'est que des supputations. Et je dirais pour Apple qui se dit j'adore annoncer des chiffres records, j'ai mine de rien, je joue beaucoup parce que je sors que 2 téléphones par an, enfin 3 maintenant on va dire. C'est difficile de dire ouais non je vais les faire patienter, tant pis ils vont m'arnaquer. Ouais, on a du mal à y croire. Logiciel, hein. Oui, ils sont à l'arrache au niveau du logiciel parce que enfin pas sur iOS 10 mais sur la partie photo. La partie photo, je vois une conf nous on est tous sur le pont, bien sûr, je fais la partie photo, je fais waouh le bokeh, ça a l'air sympa et tout et c'est pas disponible au lancement. Et moi je me rappelle pas d'avoir vu une fonction qui est très mise en avant sur le capteur photo que tout le monde attend. Oui, on a l'impression qu'ils sont un peu à la bourre. Apple peut se tromper, que voulez-vous. Tout à fait, oui. Ils peuvent se rater, c'est déjà arrivé. Jérôme, question intéressante de Morgane. Oui, mais attends, juste avant, parce qu'il y a une question qui découle un tout petit peu de ça, concernant la disponibilité, c'est le prix. Il y a une info qui est sortie aujourd'hui qui dit, vous avez vu, l'iPhone à fabriquer, il coûte que 228 €, alors que nous le vendent 800. Ça aussi, ça revient régulièrement. C'est les cabinets, enfin, c'est IHS. On va l'évacuer rapidement, c'est scandaleux, pas scandaleux C'est scandaleux. C'est scandaleux, ne l'achetez pas. Bonne réponse, Adrien. Il y a un moment, on sait que Apple a des marges très très conséquentes. Ouais. Et on sait aussi que tout le monde dit c'est scandaleux, mais on sait que tout le monde dans l'industrie, du coup, essaye de suivre. Samsung s'est repositionné. On voit bien que les téléphones haut de gamme, hein, parce qu'il faut bien se rappeler que les iPhones sont des téléphones haut de gamme, et quand on compare avec les téléphones haut de gamme de Samsung et des autres, les prix sont quand même relativement élevés. Alors tous ne font pas une marge aussi importante, mais après, Apple a une image de marque, a une façon de vendre ses produits qui est très spécifique, met aussi en avant des choses que, après, on pense qu'on en veut, mais que les téléphones Android mettre aussi bien en avant, c'est l'intégration entre le soft et le matériel. Ça, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est une réalité et c'est un avantage. Et c'est un avantage pour... Est-ce que ça justifie le prix et la marge qu'ils se font? C'est pas à moi de répondre. C'est pas une question de morale, c'est une question de marketing. C'est du luxe. Voilà. Ils vendent ça c'est comme. C'est pas du luxe, c'est comme... du premium. C'est comme. Est-ce que le prix d'un sac Vuitton correspond à son prix de fabrication? Je pense qu'il faut aussi remettre les choses en question. Là, on parle de prix de composants. Si on en avait acheté 10 000, si ça se trouve, le prix il est même inférieur parce que quand ils n'en achètent pas 10 000, ils achètent par million. Mais il y a un autre truc. Là, vous parlez de frais de quoi? Les frais des composants. Mais après, il y a les frais d'assemblage. C'est 5 dollars. Et puis il y a le marketing. $5 les frais d'assemblage. Mais rien que dans les frais d'assemblage. Ces coûts, généralement, ils ne prennent pas en compte tout ce qui est R&D, marketing, transport, etc. Donc après, l'emballage. Ça rajoute aussi de le support, la qualité du support. Mais après, une chose est sûre, généralement, en deçà de 30% de marge, Apple, je trouve qu'ils vont se rogner. Évidemment. Voilà, donc la réponse est là. Allez, on enchaîne avec la question de Morgane qui est intéressante sur Twitter. Est-ce que ce bouton Home, on va en parler de ce bouton,
parce que c'est vrai qu'il fait polémique. Parlons-en. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'il est intuitif? Est-ce que c'est facile de s'y habituer? Alors c'est très drôle parce que moi en fait, je l'ai pris en main à San Francisco, la première fois j'ai appuyé, je fais ok ça marche pas. Une seconde plus tard j'ai appuyé et j'ai chopé le truc. Et donc j'arrive à Adrien, je fais ah Adrien c'est génial, tu le prends en main en deux secondes. Et je l'ai passé et on a été obligé d'essayer les trois réglages possibles parce qu'Adrien n'y arrivait pas. Donc je pense que c'est une question d'habitude, parce que moi j'utilise un iPhone 6S au quotidien et j'ai l'habitude de la fonction sur l'écran de 3D Touch où j'appuie, paf, j'ai fait apparaître des trucs. Et donc j'ai l'habitude de ce retour haptique où j'ai habitué mon doigt finalement au cours de l'année dernière à dire ah là je touche juste l'écran donc ça va faire vibrer les petites icônes, là j'enfonce, je vais faire voir apparaître l'interface complémentaire. Et Adrien, visiblement, c'est pas ça. Non, j'y arrive pas. Voilà. On l'a réglé en mode bourrin. Même en mode bourrin, en fait, on règle l'intensité. Voilà, on peut régler 1, 2, 3. Et 3, en fait, quand on met le 3, en fait, on sent vraiment bien où est le moteur. Le Taptic Engine qui est en fait juste en bas, sur toute la partie, juste au-dessus du bouton. On a l'impression sur quasiment toute la largeur. On a l'impression que va se casser en deux. En non, ça va, moi ça va là. J'arrive toujours pas à bouger les icônes. Non, mais moi j'ai adoré quand j'ai essayé la première fois. Et puis finalement, à l'usage, j'ai un peu de mal. Et ce que je trouve qui est désagréable, c'est qu'on a l'impression qu'il faut appuyer plus fort. Et en fait, c'est faux. C'est pas vrai, parce que quand on compare avec l'ancien... Alors, est-ce que c'est une question d'habitude? Le Note 7 est livré avec un stylet, il y aura un burin avec... Alors oui, pour avoir fait 4 vols là aux États-Unis, je pense que il y a un gros problème, c'est que... C'est une catastrophe, hein. C'est-à-dire que chaque annonce de vol... J'ai pas pu vous l'enregistrer parce qu'à chaque fois j'étais dans le gaz, mais à chaque annonce de vol, il y a... Oui, si vous avez un Galaxy Note 7, voilà. Descendez de l'appareil, prendre votre bicyclette, prenez le train... Sautez, allez sur la terrasse de l'avion, un truc sympa quoi. La pire des pubs... Et attendez, sur le bouton, il y a aussi un truc bizarre, regarde là, tu peux faire le test. Il est sur la table, et bien quand on appuie sur certains matériaux, on ne le sent plus. On ne sent pas le clic. Tiens. Vas-y, faisais le test. C'est vrai. Ah oui. Mais il y a un truc qui est intéressant. Le haptique est neutralisé. Comment ça, c'est possible ça? Et on ne le sent pas. Et bien ça le fait avec certaines tables et pas avec d'autres. C'est bizarre. Nous, on a une table anti-haptique. Mais là, il faut les appeler. À 0 net TV, c'est pour ça. Il y a une table qui est intéressante. Il y a un truc qui est intéressant à dire sur ce bouton. C'est effectivement qu'il ne fonctionne pas quand on a des gants ou quand on est en train de nettoyer son. Moi, ça m'arrive souvent, surtout avec le noir de jet, qui, rappelons-le, donc n'est pas un oiseau. Ça, c'est moche. Pourquoi tu dis ça? C'est moche. Je sais pas. Regardez plus les vidéos sur Véronet TV, vous saurez. C'est moche, c'est moche. Pas joli, joli. Et donc, quand on est en train d'essuyer ses traces de doigts, par exemple, avec son t-shirt, ça ne marche pas. Et là, on appuie. Oh, ça marche. Donc, effectivement, ça peut être cet hiver, si vous avez des gros moufles, pas de bol, où il faudra vraiment essayer avec le bout du nez, quoi. Alors, moi, parce que, évidemment, on le teste depuis quelques jours, moi, j'ai un problème aussi, c'est le Touch ID, parce que je trouve que le toucher n'est plus le même. Et donc, typiquement, moi, j'ai beaucoup plus de mal à déverrouiller mon capteur d'empreinte. Pourtant, j'ai pas changé de doigt. Hein. On dirait une rencontre du troisième âge avec des vieux. Ouais, ça marche plus comme avant. Ouais, non, mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est vrai, c'est vrai. Vous mais il faut vieux, quand même. Vous avez l'habitude. Et mais non, il faut dire à toi. T'as dit que tu supportes pas le. Il y a une toute petite modification, c'est qu'effectivement, sur le 6S, enfin, sur les versions précédentes, il est légèrement incurvé, le bouton. Ce qui fait qu'on a l'impression que son doigt se pose dedans. Alors que là, il est droit. Et on n'a pas exactement la même sensation au début. Mais après, alors, est-ce que c'est quelques années qui nous séparent? Je n'irai pas celui-là. Mais en tout cas, voilà, moi, je lui suis fait assez facilement. J'ai testé auprès de tout le panel familial chez ma femme et mes enfants. Ça s'est bien passé aussi. Ça s'est bien passé Personne n'est passé par la fenêtre. C'est plutôt positif. Bon, j'étais pas obligé de regarder mes enfants. Ben voilà, ce bouton, en tout cas, qui ne fait pas l'unanimité. Hein, ça, c'est clair. Mais on aime ou on n'aime pas. Juste, il y a une chose qui est bien quand même, c'est que le fait qu'il soit devenu comme ça contribue aussi au fait qu'il soit estampillé IP67. Ah voilà. Oui, d'accord. Oui, évidemment. Voilà. Mmh. Et ça, l'étanchéité, c'est vrai. Hein. Donc, visiblement, il a l'air de résister. J'ai joué dans l'eau, etc. Je ne me suis pas baigné non plus pendant des heures avec mon iPhone 7. Bah, on n'ose pas. Parce que, voilà, je tenais à ne pas tenter le diable, on va dire. Mais voilà. Parfait. Bon, ben voilà, on a répondu à quelques-unes de vos questions. On en a beaucoup d'autres. Une petite dernière, allez rapidement. Question de Nicolas. L'iPhone 7 est-il aussi puissant qu'on le dit? Bah je sais pas ce qu'on dit de l'iPhone 7, s'il est super puissant ou pas. Mais ouais, on dit qu'il est puissant, c'est ce qu'il se dit dans les... La force est puissante dans sa famille, ouais. Non, il se débrouille. Enfin, elle est jolie. Si on prend par rapport à la génération précédente, ouais, effectivement. Alors après, ça varie beaucoup selon les benchs. On a, on va dire, une
trentaine, quarantaine de pourcents de gains en plus. Donc ouais, en termes, quand vous mettez des jeux, ça sera plus joli. Quand vous allez lancer des choses un peu gourmandes, ça va être effectivement bien plus puissant. Mais au-delà de la puissance, moi je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment intéressant, alors même si c'est pas une création complètement dingue, c'est le fait qu'il y ait 4 cœurs, c'est une première, et qu'ils aient pas fait 4 cœurs de bourrin, ils aient fait 2 cœurs économes en énergie et pas très puissants qui permettent de faire tourner, on va dire, 80% de ce qu'on a sur un iPhone. Et puis 2 cœurs vraiment bien musclés qui se lancent quand on va faire tourner des jeux gourmands, des applications d'editing de photos, ce genre de choses. Une architecture ça, Little Big. Voilà, c'est du Little Big ou du Big Little. Mais alors, c'est Little alors, Big, c'est Little Big Man. On va y aller. Voilà, mais ce qui, non, mais ce qui est, ce qui est intéressant, alors, cette architecture, c'est ARM qui l'a créé en 2011, je crois, de mémoire. Donc, c'est pas un truc qui est sorti de nulle part. Enfin, waouh, génial! Mais Apple l'a intégré de manière super intelligente. Et alors, pour en avoir discuté très brièvement avec des gens, parce qu'après, ils veulent pas trop avancer, généralement, quand on leur parle, ils font, oh non, Big Little, je connais pas. Alors, c'est des ingénieurs, enfin, ouais, c'est ça. mais ils ont vraiment travaillé sur la façon de gérer le cache de la mémoire, gérer le cache de niveau 2, etc. pour que ça soit hyper rapide de passer de l'un à l'autre et donc optimiser l'autonomie. Donc l'autonomie dont on parlait tout à l'heure qui est meilleure, elle doit peut-être aussi grâce, enfin elle est peut-être aussi meilleure grâce à la diffusion. Enfin, voilà. Faut, juste pour expliquer l'architecture Little Big, super simplement, si vous allez faire vos courses avec une Ferrari, vous allez ça va vraiment manger 40 litres au 100. Effectivement, ça c'est bien pour faire courses. De la course sur circuit. Et une architecture Little Big, c'est comme si dans le même téléphone, vous aviez à la fois une petite Twingo, qui de toute façon en ville ne roule pas plus de 50 km/h, ça suffit pour aller faire les courses. Et quand on a besoin d'appuyer sur le champignon, la Twingo elle se retourne et elle devient Ferrari. C'est ça une architecture Big Little. Très bien. Un point pour Pierre Fontaine. Bravo. Parfait. Merci à tous les deux. Mais j'ai merci pas messieurs. Moi ça compte pas. Merci Adrien Branco et merci à Pierre Fontaine pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir posé toutes ces questions. Voilà, en espérant avoir répondu à toutes vos attentes, pour ce Zéro en Live qui est un peu débordé, mais c'était prévu. Merci de nous avoir suivis, merci à Pierre Thiolin, à Jean-David Duarte, à Noémie Lefebvre, oui voilà, j'ai dit tout le ça, oui. J'ai oublié personne. Tu y es presque, je rajoute le marais. Moi je voudrais bien la deuxième moitié du nom. Et il est comme ça Jérôme, et c'est pour ça qu'on t'aime aussi. C'est gentil. Bon, on se retrouve jeudi prochain. Évidemment sur 01net TV. Et puis avec Adrien dans De quoi je me mêle demain, où on évoquera toutes les nouveautés GoPro. Et il y en a eu pas mal. On en parlera demain. On parlera du karma. Bonne soirée à vous tous. Salut à tous.